Dans les bureaux de Madame Moustache, on réactive les réseaux de communication. Le bar dansant rouvre enfin ce vendredi dès 22h. Donc là, actuellement, on est en train de créer un nouveau concept de soirée, 90-2000, rap, avec une DJette assez chouette. Rappel des DJ résidents, vérification des emplois du temps du personnel, rien n'est laissé au hasard. La première ouverture est très difficile parce qu'il nous restait deux anciens barman, les autres, heureusement, en 18 mois, ont retrouvé du travail. Et là, comme on est resté fermé que ou quand même 2 mois et demi, la nouvelle équipe qu'on a reformée elle sera là. Équipe complète et hyper motivée. Philippe s'occupe entre autres de l'opérationnel et se réjouit de ne pas devoir réinstaller une tente de testing devant la discothèque. Le protocole n'est pas très clair, mais à chaque fois on s'adapte et on a un appareil de mesure pour le renouvellement de l'air. Donc ça a été imposé. On est limité avec une capacité à 70% au lieu de la capacité à 100%. Les agents de sécurité aussi scannent les tests Covid. Des adaptations qui viennent encore un peu plomber les finances de la société. Ça va, tout se passe bien ? Oui, super. Alors ici, on a décidé de se passer du personnel dédié au vestiaire en le remplaçant par un système de casier. Payer un salaire du vestiairiste l'été alors que c'est forcément beaucoup plus calme et qu'il n'y a pas de veste était conséquent. Une économie qui ne compensera pas les pertes engendrées par les mois de fermeture. Ouvrir le monde de la nuit ce week-end est pour cet établissement plus que vital. Ce week-end, pour nous, en tout cas symboliquement, était important puisque la France réouvre, il y a la Hollande qui réouvre, il y a quand même beaucoup de pays où ils retirent le Covid Safe Ticket, donc déjà nous on réouvre avec certaines contraintes et qu'à un moment donné on aimerait avoir une concurrence loyale. Malgré le sentiment amer de repartir à zéro après 12 ans d'existence, l'envie de retrouver les clients est intacte. Je ne sais pas vers quelle société on va, mais faites la fête!